Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il n'y a pas ma fille pour vous faire le petit bonjour. Elle est partie avec son papa à la montagne et moi, je ne peux pas y aller puisque j'ai toujours mal à la tête, migraine de temps en temps et un peu de vertige. Donc, il vaut mieux que je reste tranquille à la maison. Mais je voulais vous montrer quelques achats de cette semaine. J'ai fait voilà, des petits achats par-ci, par-là. Je ne peux pas trop colorier, mais voilà. J'ai fait quelques emplettes. Je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, je me suis pris des feutres alcool. J'ai pris ces couleurs-ci pour compléter un petit peu mes twin markers. Il y en a quelques-uns qui sont secs. Et puis, je n'ai pas trop de couleurs comme ça, un petit peu rose, violet, flashy. Voilà, comme ça. Ni même pastel, ni hippo. Alors, j'en ai profité pour en acheter. Ils étaient à 90 centimes chacun. Et j'ai pris aussi celui-là, celui qui n'a pas de couleur, Blender, pour faire les petits dégradés. Mais il faut que je regarde comment ça marche. Je ne sais pas trop. Mais pour les dégradés, ce sera chouette, je pense. Et vous allez voir pourquoi j'ai racheté des feutres à alcool. C'est parce que je me suis pris deux petits livres qu'on voit tourner partout et qui m'ont fait envie. Bien évidemment. J'ai pris celui-ci, automne. J'ai vu, je l'ai pris sur Amazon. Alors j'ai vu ces petites illustrations et j'ai beaucoup aimé. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Alors, feutre à alcool, super. Pas prise de tête et c'est pour l'automne. Les illustrations sont comme ceci. C'est tout simple. Il n'y a pas de perso. Des petites tasses, des pots à miel, des cookies, des tartes, des pots à biscuits. Voilà, celui-là. Et ensuite, celui-là, c'est le Cozy Automne. Et c'est un petit peu le même style. Les tasses de thé. Celui-là, j'aime un petit peu plus. Les illustrations me paraissent un petit peu plus complètes, disons. Le petit hérisson, le petit chat, la cheminée avec le petit chat. Voilà. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est des petits livres faciles à colorier, détente et sur l'automne, bien sûr. J'adore l'automne, même si les changements comme ça de saison, pour moi, c'est pas toujours facile. Mais j'aime beaucoup l'automne quand même. Donc, je me suis pris ces deux petits livres que j'aime beaucoup. Et pour ce qui est des livres de coloriage, j'ai enfin pris Le Voyage au pays des rêves. J'aime beaucoup, je l'avais vu il y a longtemps, mais j'attendais un petit peu de voir les youtubeuses coloriage et pour voir un petit peu les présentations, comment il était, si ça me plaisait vraiment. Et oui, ça me plaisait et donc je l'ai acheté. Il est très très beau et les feuilles sont très bien. Donc pour le colo, c'est tout, mais j'ai acheté d'autres petits trucs que je vous montre tout de suite. Ensuite, j'ai pris ces quatre petits livres
qui sont d'une collection qui s'appelle comme ça, le petit livre pour. Et donc, vous avez plusieurs thèmes. Moi, j'ai pris le petit livre pour vivre avec la lune, le petit livre des animaux totems, le petit livre de l'estime de soi, le petit livre de synchronicité. Oui. Ils sont hyper petits. Regardez. Les lettres très petites, mais j'ai la solution, des lunettes de vue, et j'en ai racheté, je vous les montrerai. Mais j'aime beaucoup et j'aimerais bien me faire une petite collection avec tous ces petits livres qui m'intéressent beaucoup. Les synchronicités, la lune, animaux totems, l'estime de soi, je trouve qu'ils sont pas mal intéressants et ça peut me faire une petite collection que je pourrais venir consulter de temps en temps. Et j'aime beaucoup. Donc c'est sur les éditions First. Et je les ai eus sur Amazon à 3,50 €, je pense. Oui. Non, 3 € chacun. Je vous en dirai des nouvelles, mais j'ai lu quelques avis et il paraît qu'ils sont très 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 bien et très intéressants. Donc j'ai craqué pour ça aussi. Et ensuite, je me suis pris une perforatrice comme ça à coin. Comme je fais de l'art journal aussi, je fais des petits collages, je fais des pages et j'aimerais bien faire les coins ronds. J'ai pris ceci aussi sur Amazon. Donc, colo, tout ça, c'est fini et je vous montre ce que j'ai racheté de plus. Alors, comme je vous disais, pour mes petits livres, même pour colorier, tout ça, je me suis pris des lunettes de vue comme ça. Elles étaient à 3 € et j'en ai pris deux paires parce que je les perds tout le temps. Je ne sais pas ce que je fais. Je les perds tout le temps et il m'en faut une dans ma chambre, une ici en bas et une dans mon sac. Donc j'en ai déjà et là je m'en suis pris deux comme ça, 3 €. Elles sont pas mal. Ensuite, vous savez peut-être si vous me suivez depuis un certain temps que j'aime beaucoup le crochet aussi et je me suis pris des petites laines comme ceci. Alors j'ai pris, elles sont toutes noires. J'ai pris celle-ci qui est un peu épaisse. C'est de l'acrylique, hein, c'est pas du, voilà, c'est de l'acrylique. Et j'ai pris comme ça. Elles sont, comment ça s'appelle? C'est un chenille. C'est tout doux. C'est tout doux, j'aime beaucoup. Je me suis pris une aiguille comme ça à crochet de 16 mm. La plus grande que j'ai, elle est à 14 et donc j'ai pris celle-là parce que j'aime bien crocheter large. Et j'ai repris des marque-points comme ça également pour le crochet. Alors, ça j'aimerais bien faire, j'en ai fait un déjà. Un crop top, c'est-à-dire un petit pull avec des manches trois quarts ou des manches longues. Et j'en ai fait un pour ma fille. Quand il sera fini, je vous le montrerai puisqu'il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et coudre les fils. Mais je trouve ça hyper mignon, ça lui va super bien et j'aimerais lui en refaire. Et pour moi aussi peut-être. Et puis crocheter, ça me détend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'y arrive même en ayant des maux de tête. J'arrive à crocheter un petit peu. Je n'arrive pas à faire du crochet avec du fil hyper petit, hyper fin. Parce qu'il faut que je fixe beaucoup la vue et je n'y arrive pas. Mais comme ça, des crochets avec ces types d'aiguilles comme ça,
Ça va. Et en plus, je fais avec des points extra larges et j'y arrive. Donc, je passe un petit peu le temps aussi à faire ça. Et je pourrais faire mes coloriages dans les cosy automne puisque, voilà, feutre à alcool, c'est agréable, c'est facile et ça fait passer un bon moment. Et voilà, donc jusqu'ici, cette mini vidéo haul, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai du mal à tourner, j'ai du mal, mais ça me manque et j'adore vous poster des vidéos, vous lire en commentaire, vous répondre. Voilà, ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Donc voilà, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à me commenter, ça me fait très plaisir. Si vous ne savez pas quoi écrire, c'est pas grave, mettez-moi un petit cœur. Ça me donne du baume au cœur. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.